On va jouer au jeu plus c'est court, plus c'est bon. Ok. Ah. Pour cette manche, vous allez devoir deviner 6 morceaux. À vous de buzzer le plus vite possible. Ah, ok. Il va falloir vite buzzer. Oui, oui. T'inquiète. Mais attention, à chaque nouvel extrait, il se raccourcira. D'accord. D'accord. D'une seconde. J'ai pas compris. Au début, c'est un extrait de 6 secondes. Puis après, c'est un extrait de 5, 4, 3, 2, 1. Et si on répond mal, l'autre gagne le point. Évidemment. Bah, il faut qu'on réponde pas, alors. Bah oui. Alors, attendez. C'est désavantagé. Vous me donnez les deux. Les deux quoi ? Interprètes et le titre de la chanson. Ok. Ah oui. Donc les deux interprètes, puisque c'est des duos, et le titre de la chanson. Attention, c'est parti. 6 secondes pour retrouver ça. Alors, c'est ici. C'est Maître Gims. Ah, il faut donner... Non, mais là, il faut donner tout. Mais le titre, là, c'est ni fait. Bah, c'est pour nous alors, le Maître Gims, c'est Vita. Non, mais non. Et on a le point, on a le point. Game over. Game over. Très bonne réponse. Voilà. La chance tout le temps derrière. Vous enlevez vos chaussures, vous ? Oui, pardon. Croyez chez votre mère. Hein ? Vous voulez que je remette ? J'ai un peu mal aux pieds. Non, de toute façon, on ne vous voit pas. Merci. On ne voit pas vos pieds. Mais quand vous vous lèverez, vous serez pieds nus, bien entendu, vous allez voir. C'est très, très beau. Attention, donc, point pour vous. Ouais. 5 secondes. Excuse-moi, Mokhtar, tu veux écouter de la musique, là ? C'est le micro de qui ? Non, mais c'est un micro qui traînait, là. D'accord. Il y a un micro qui traînait ? Oui. Il y a un micro. Vas-y, mais fais ta vie, toi. Hein, vas-y. Hein. Attention, 5 secondes pour retrouver ça. Peter Sloan, besoin de rien, envie de toi. Très bonne réponse. Donc, un point ici, on est à 10 points partout, je crois. Oh là là, Allez. Attention, 4 secondes pour retrouver ça. Non, c'est ici. Calogero et Paci face à la mer. Non, Cyril, s'il te plaît. Paci, Calogero face à la mer. Très bonne réponse. Déchirer ce tableau, fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. Allez, tout le déçu, je prends mon dernier rêve. À la main, excuse moi. Time out. Ça fait deux fois que tu fais le coup, chérie. Mais oui, tu donnes le nom et après t'as pas l'émission. Si t'as rien à dire, tu t'appuies pas. On l'avait, Cyril. Les chéris, je peux vous proposer d'enlever un maillon faible de votre équipe à chacun dans un instant pour la dernière épreuve. Ou vous dites non, on reste tous ensemble, on est arrivés ensemble. On est unis. Bah, tu vois, eux, ils ont l'esprit de nous. Bah, nous, non, on va enlever quelqu'un. On reste ensemble. Et vous ? Non, on va enlever quelqu'un. En tant que chef d'équipe, on va enlever quelqu'un. Mais pourquoi t'es chef d'équipe ? Il s'autoproclame. Comment ? Nommé chef d'équipe. C'est le principe d'un leader, il s'autoproclame. Il est fabuleux, moi je l'adore. Attention, 3 secondes pour retrouver ça. C'est juste une pause, un répit. Ouais. Il s'agit de Céline Dion et de Garou sous le vent. Oui. Merci. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est ça, bien sûr. Sous le vent, c'est parti. Jusqu'au plus haut des cieux. Ah oui, je suis. Arrêtez, allez. Sous la chose à la vie,
Il n'y a pas un mec en régie qui dit c'est pas le bon titre. C'est bon, hein. Nous, c'est Sous le vent. Non, non, ça c'est Sun. Ah ouais, t'as Sun. Alors, est-ce que vous avez Sous le vent? Non. Non. Il devait le dire avant, il devait faire la même chanson. C'est génial. Ils ont tapé Garou, ils ont pris le premier titre. Bah, ça doit être ça, hein, Garou. J'ai sorti la mer, j'ai sorti la pomade et j'ai brisé sous le vent. Merci. Attention. Attention, les chéris. Attention, vous avez deux secondes pour retrouver ça. Ici, il s'agit... Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre. Trouvera. Tu trouveras. Très bonne réponse. Ah ouais, Qu'est-ce qu'on a fait? Non mais dites-nous. Je viens de recevoir un SMS. Ah, c'est ce connard de Castaldi. C'est de qui, Cyril? C'est de Castaldi. Il s'appelle bon, une image. À 23h05. Ah, à quoi? C'est Castaldi qui a pris mon portable. C'est bon, tu as déjà fait le coup. Elle a dit quoi? Cela dit, du coup, vous pouvez peut-être répondre. Non, merci, jamais pendant le service. Je suis sûr, non, mais quand vous voyez Isabelle Morini-Boss s'afficher, vous regardez, oui. Vous avez vu, vous dites, ça pique un peu. Ça pique un peu, allez. Oh là là. En tout cas, ce prime est à montrer dans les écoles de télé. Quel fou rire, j'en ai mal au ventre. Alors attention, vous allez avoir une seconde pour retrouver le dernier titre. Vas-y. Want to be alive. Est-ce que tu m'entends, Eo? Tragédie. Voilà, tragédie, est-ce que tu m'entends, Eo? Eo, c'est pas le bon titre. Eo, tragédie, Cyril. Non, 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 ici, ici. Il y a l'autre qui dit n'importe quoi, Want to be alive. Tragédie, Eo. Oh non, mais... Très bonne réponse. Ouais. Oui, encore. Regarde qui est là. Oui, bah, regardez qui est là. Vous allez voir. Demain, vous allez voir qui va être là. Kelly, on me demande de... faites attention. Ouais. Faites attention, Kelly. À quoi? Niveau des jambes, faites attention, on me le dit. Ah. Merci. Les jambes? Oui, oui. Ouais, il faut les couper. T'es à poil. Voilà, voilà. Merci, d'accord. Kelly. Voilà, on dit ça pour vous, bien entendu. Merci. Les chéris, le point va donc chez Rasta. On va faire un point. On va faire un point sur les points. On se balade. Oh là là.